Voilà, salut les gens, c'est Nasband qui vous parle, et si vous me voyez dans l'eau actuellement, c'est tout simplement parce que bah, j'ai commencé mon intro et tout en étant persuadé que OBS avait enregistré, mais non en fait. J'ai vu, j'ai un peu cheaté pour savoir ce que je devais faire, parce que ça me semblait obscur et j'avais pas envie de chercher 10 ans, puis surtout c'est pas intéressant pour vous de me regarder tourner 10 ans non plus. Donc... Allez Lara. Et donc ça réduit le niveau de l'eau au minimum. Ouais, au minimum. D'accord. J'ai toujours ma bouboule là en bas. Celle que j'avais poussée. Allez hop. On va vérifier s'il y a quelque chose d'intéressant à faire ici. Ok, non, rien. De l'autre côté peut-être. Ah. Ouais. Il y a des plateformes. Calme. J'ai dit que je restais calme. Eh bon, voilà. N'essaye même pas. N'essaye même pas de m'en empêcher. Je risquerais de devenir violent. Ah d'accord. Ouais, c'est du try and learn quoi. C'est essaye et apprends. Ce bouton là pour le grappin. Mais parce que j'ai beau y jouer depuis je sais pas combien de temps à ce jeu, là j'ai toujours du mal avec le grappin. Hein. Hop là. Tombe la chemise. Ouais, ça passe. J'aurais pas pensé que ça passait à vrai dire, mais bon. D'accord. En fait, l'angle de caméra était tellement à chier là que je comprenais pas où je devais aller. Non, bah je confirme, en fait, il est vraiment à chier. Voilà. En fait, fallait juste appuyer sur le bouton sans mettre de direction, ce qui n'est jamais le cas normalement, mais bon. Attends. Celui du haut, il faut le mettre. Ok, comme ça. Ensuite. Par le bas. Ensuite. Tac, 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 tac. Voilà. Et vers le haut pour le dernier. Voilà. Pas trop dur, ça va. Et ça fait remonter le niveau de l'eau, mais pourquoi? Par contre, je l'ai vu, hein, le truc là où on pouvait s'accrocher. Et je ne suis pas fou. Y allez-vous? Et je vais l'utiliser. Je sais pas pourquoi ils prennent cet accent. Parce qu'ils sont extrêmement racistes. C'est tout. Oui, dans le doute, je saute directement les gens. Ok, c'est tout. Ah, je t'emmerde, hein. J'ai réussi. Bon.
Oh putain, ça c'est juste pour emmerder que vous faites ça. Hop! Bon. Celui, alors. En partant de gauche à droite, hein. C'est en haut, gauche, droite, bas. Haut, gauche, droite, bas. Ok. En train de gauche à droite. Bon. Haut. Gauche. Droite. Bas. Voilà. Nickel. Encore monter niveau de l'eau. Très bien. Mais on le fait pas remonter exactement au niveau où on en était en fait. Je demande. Parce que tout ça c'est bien joli, bien gentil, ma bonne dame. Mais moi je vois pas ce que je dois faire, hein. C'est quand même vraiment que ça a foutu les Égyptiens en fait pour faire des énigmes à base d'eau. Hein? Non? Vous trouvez pas? Alors, moi je trouve. Cela dit, ça m'avance pas parce que maintenant j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Est-ce que je peux réactiver ce truc là? Est-ce que je peux réactiver le levier qu'il y avait là en dessous? Ça me semble stupide, mais... Ouais, c'était stupide en fait, je viens d'annuler tout ce que j'ai fait. Lol. Accroche-toi. Voilà. Ouais, je crois que je viens d'annuler exactement tout ce que j'ai mis autant de temps à faire. Lol. Allez. Ok, si tu veux s'accrocher directement sans risquer de se péter la gueule, c'est bien. Je t'avoue que c'est assez l'obscurité ce que je dois faire là. Salle là-haut. Ouais. Ok, d'accord. Je vois. Je vois qu'il y a un passage là-haut. Je peux passer là, ouais. Ouais, d'accord, ok. Tout ça pour ça, quoi. Perte de temps, je te jure. Ah, j'avais déjà fait ton énigme à la con là, c'est juste moi qui étais un peu con, mais. Mais je devrais pouvoir y arriver maintenant. Ah putain, vas-y. Voilà. Hop. Nye. Pas faire chier, hein. Mais oui, je connais, j'ai déjà vu, merci. Pas la peine de me le remontrer en entier. Ça.
C'est juste ça, c'est juste pour pouvoir monter là-haut, quoi, je suis sûr. Voilà. J'avais pas vu à la base, hein. Ils aiment leurs plateformes qui descendent comme ça, hein. C'est leur grand trip. Putain, ils ont l'air d'adorer ça. En fait, Lara, elle est compulsive, quoi. Dès qu'elle voit un rebord auquel elle peut s'accrocher, paf, elle y va. C'est compulsif chez elle, elle a besoin. Et ça remonte le niveau de la flotte jusqu'en haut, mais pourquoi? C'était juste pour pouvoir remonter jusqu'ici. Ok. Compliqué comme système. Elles auraient pu faire un pont aussi. Ça aurait marché pareil. Faire un pont. C'est trop con. Utilisons de l'eau dans le fion. À faire monter. À rabaisser. Faire un pont. Oh là, il y a un peu trop de mobs. Mais là vous êtes un poil trop nombreux les mecs. Vraiment. Mais c'est sérieux là? Oh 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 oh. Pum 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 pum. Tu te fais me massacrer. La dose. Eh yeah. Ouh. Putain les mecs. Vous quand vous dites qu'il y a des mini combats de boss, vous plaisantez pas hein. Putain de merde. Bon. Bon bon bon. Ah bah là, je vois des rebords là sur lesquels je peux m'accrocher, mais faut que je trouve le pilier. Le pilier auquel m'accrocher. The pilier. Ah bah il est là, the pilier. Hop là. Ah, je vous le dis, hein, c'est compulsif chez elle. Elle voit des piliers, elle voit des piliers avec des trucs où elle peut s'accrocher, elle y va. C'est Lara, quoi, c'est plus fort qu'elle. Mais non, mais là par contre elle est conne, Lara. Non. Pourquoi elle a sauté comme ça, j'en sais rien. Mais c'était très con. Parce que là je vois pas vraiment comment sauter autrement. On reste calme, on est calme. On est joie, on est bonne humeur. On est tout ce que vous voulez. Ouh, je sais pas, peut-être un autre pilier sur lequel je dois m'accrocher. Parce que the pilier là, il a pas l'air de bien fonctionner, donc peut-être un autre the pilier, je sais pas. Non, non, c'est bien ce the pilier. Ok. On va continuer à s'accrocher à the pilier alors. Je t'avoue que là, c'est pas logique. Là, là, cet endroit-là. Pourquoi ça va pas assez loin? Si j'y vais comme ça. Tu peux pas rediriger ton saut. C'est vrai, il y a des fois quand je regarde les solutions, les gens, je me dis que je suis vraiment un crétin. Il y a des mecs qui faisaient un truc là pour aller plus vite. Ah oui. D'accord, c'est bien ça. Bon à savoir.
Ah merde, non mais je voulais pas que tu sautes par contre. Je voulais pas que tu sautes. Hein? Je ne voulais pas que tu sautes. Lara, voyons. Voilà, donc vous voyez, plutôt que de sauter là, en fait, il faut... Hop. Et... Hop. Voilà. C'était The Pilier, mais The Pilier traître, en fait. Hein. Gros traître, ce The Pilier. Les suivants ont l'air d'être moins traîtres. Quoique... Non. La même merde. Hmm. Comment je peux être bloqué sur un truc aussi simple en fait? Peut-être parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Excusez-moi, je regarde un peu partout. Hein. Des fois que j'oublie un The Pilier qui serait pas traître. Attends, on va. Ouais, c'est ça. Voilà. Je t'emmerde le jeu. Je comprends tes énigmes. On s'en sort bien. On s'en sort bien, c'est pas trop dur, ça va. C'est pas trop ignoble. Quoique. Yeah, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de tout recommencer. J'espère que j'ai les items. Non. Ok, j'ai retiré une partie des trucs. Grande question maintenant, comment j'atteins les œufs piliers de l'autre côté? Il devait y avoir un œuf pilier ici aussi. Juste moi qui n'ai pas vu la fissure. Hein? Dites-moi qu'il y a un seul pilier là! Oh! Non? Oui les gens, vous pouvez m'appeler gros cheater de merde, j'ai nouveau été regardé à Sulz. Je pense sincèrement que c'est pas intéressant pour vous de me voir tourner en rond. Vous avez aussi envie de savoir la suite de l'histoire, je suppose. Ce qui est un peu normal. La suite de l'histoire, vous pouvez pas la voir si je fais de la merde. Ça devrait être suffisant. Hop. Merci. Bon, maintenant, il faut vraiment pas se planter, hein. Sinon, il va y avoir du gros regret, là. Et je sais qu'il y a un truc, là, un trésor caché, secret, mais je m'en bats le steak. Hein. Complètement. Je pourrais y aller, hein, mais non, ça m'intéresse pas. Quoique. Allez. C'est facile à atteindre, pour une fois.
merci. J'aurais pas dû perdre de temps. Je m'en fous des trésors cachés de ce jeu. Je m'en fous complètement en fait. Allez. J'étais à deux doigts de réussir. Et j'ai été chercher cette merde qui ne sert à rien. Juste pour dire que oh là là, je finis le jeu à 100%. Je m'en fous, je veux finir le jeu moi. Allez, hop. Mais non. Mais non, crétine. C'est là que tu dois aller, regarde. Pas dur. Fais tes trucs. Attends. De où tu m'emmerdes? Ouais, genre, je vous ai épargné la remontée de merde sur ce pilier à la con. Voilà. Hop. Merci beaucoup. Bien, allons récupérer ce tas de caca. Personne pour essayer de me tuer? Mais c'est mon visage qui hantera des cauchemars. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Les dieux préfèrent l'action au conseil. Pourtant, c'est ce conseil qui te juge aujourd'hui. Votre règne est fini. L'Atlantide est en ruine, et vous n'y changerez rien. Tout doit brûler complètement. Ainsi le septième âge pourra commencer. Tu as choisi la voie de la violence. Tu n'es plus rien pour moi. Pour ta trahison. Pour t'être servi du savoir des Sions et avoir utilisé nos armées contre nous. Je te chasse à jamais de l'ordre sacré des trois et te condamne à expier dans les limbes glacées de l'éternité. Il est trop tard. Les roues du Qatar sont déjà en mouvement. À présent, votre ruine est annoncée et je renaîtrai de vos cendres pour achever ce que j'ai commencé. Ok. Mais c'est C'était vous. Vous êtes reine de l'Atlantide. J'étais. Et le Sion contient son histoire. Il contient plus que ça. Il détient le savoir des anciens. Des connaissances qui vous dépassent tous. Qu'est-ce que le septième âge? Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour le savoir, Lara? Pas assez loin, je le crains. Tuez-la vite, nous avons affaire. Mais non, tuez-la pas, ça va me plaire. Admire l'artiste, je vais la découper. Bien, préparons-nous pour QT Hollande. Abruti. Pourquoi tu tires dans les pieds?
merci de m'avoir fauché mes armes. C'est sympa. Donc vous voulez dire qu'à côté de cette route ultra moderne, il y avait un temple ancien? Oui, non mais... oh, Lara, ne défie pas les lois de la physique comme ça, s'il te plaît. C'est quoi cette route qui se termine sur du rien? C'est ce qu'on appelle une route de jeu vidéo. C'est pas cinématique qu'on a là? Moi j'aimerais bien, ouais. Je veux bien sauvegarder ma partie là. Est-ce que vous voyez, c'est ma manette, hein. Luminosité de merde, j'y peux pas grand chose déjà. On va attendre le début de la prochaine mission où je pourrais jouer. Qui est là? Donc du coup, une mission qui commence dans l'eau, moi ça me plaît pas spécialement, mais bon voilà. On va faire comme ça. Donc voilà les gens, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, et la mettre en favori. Tout ça va prendre un grand plaisir. Pour sinon, joindre sur mon serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, on se tient la forme pour vous servir. Bye. Les Français voient et pas voyage. Voient japonais, c'est mieux. Ok. Je teste Shadowverse. Alors écoute, Lina.